J'ai grandi au Sénégal, à Dakar et à la Médina, le quartier populaire du Sénégal, avec toute ma famille. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas et j'y retourne souvent. C'est quand j'allais dans une école de football qui s'appelait l'école de football Ibrahima Ba. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'ancien joueur de l'Inter qui a joué au Milan AC. Et c'est là où j'allais avec mes amis. Et voilà, ma mère m'interdisait d'aller là-bas, mais moi je préférais aller m'amuser avec mes copains plutôt que d'aller à l'école. Moi j'aimais pas jouer avec les chaussures de foot, du coup je jouais tout le temps pieds nus. Et ça m'arrivait souvent d'avoir des grosses blessures, mais ça m'empêchait pas de jouer au foot parce que je me sentais plus à l'aise à pieds nus qu'avec des chaussures de foot. Non, pas du tout, parce que moi, tout ce que j'aimais, c'était juste jouer au foot et prendre du plaisir avec mes amis, faire des paris, jouer des tournois, juste m'amuser. Après, le côté professionnel, j'étais encore trop jeune pour penser à tout ça, et c'est plus tard, quand je suis allé à l'Institut Diambar, que j'ai commencé à penser à ça. Mais à la Médina, c'est plus prendre du plaisir avec mes amis. Voilà, c'est quand j'étais à Diambar, je crois que c'est notre première année ou deuxième, je sais plus. Et là, c'est le terrain où là où on s'entraînait. Il n'y avait que deux promotions et nous, on faisait partie de la première promotion de l'Académie Diambar. Et voilà, il venait juste d'ouvrir ses portes et on était très contents de rejoindre cette académie parce que on savait qu'il y avait une chance de voyager, de découvrir l'Europe. Pas forcément, on pensait pas forcément à devenir des professionnels, mais surtout ce côté où on s'est dit ouais, il y avait possibilité d'avoir des beaux habits, des crampons, même si j'aimais pas trop, et des voyages en Europe, c'est surtout ça qui nous passionnait. Bah, il y avait des sélections dans tout le Sénégal. D'abord, c'était par quartier, après par ville, et après, on se retrouvait dans chaque ville, ils choisissaient les meilleurs. Dans tout le Sénégal et après on s'est retrouvé à Dakar pour les derniers tests et parmi on était beaucoup et parmi ces joueurs-là fallait en choisir 18 de la promotion 89 et 18 de la promotion 90 donc il y avait beaucoup de monde, il y avait peu de place pour tout ce monde-là et voilà j'ai réussi à gagner ma place et à rejoindre l'académie, ce qui était une fierté pour moi et pour toute ma famille. Grâce à l'académie, en fait, toutes les fins de saison, on venait en Europe pour disputer des tournois, des matchs amicaux. Et on a pu jouer contre Lille, contre Lens, contre Boulogne, plein de clubs en France. Et quand on a joué contre Lille, il y a les recruteurs de Lille qui m'avaient repéré moi et mon ami Pape Soaré. Du coup, par la suite, on est venu faire des essais à Lille au mois de mai. Et après, ils ont décidé de nous garder, de nous donner moi, contrat professionnel parce que j'avais 19 ans et je ne pouvais pas signer un contrat stagiaire et un contrat stagiaire pour mon ami Pape Soaré qui était plus jeune. Bah, vous vous doutez bien quand il y a la différence de température entre Dakar et tout de suite le nord de la France, Lille. Donc c'était très compliqué pour nous. Il faisait froid, il pleuvait beaucoup. Et forcément, les terrains, c'était différent pour nous parce qu'au Sénégal, on a joué que sur du sable jusqu'à ce qu'on quitte Diambar parce qu'avant notre départ, il n'y avait pas encore les terrains synthétiques et les terrains d'herbe. Donc on n'a pas pu profiter de ces terrains-là. Donc, arrivé en France, c'était vraiment compliqué pour nous les premiers mois. Je me rappelle même que certains copains
parler entre eux en disant qu'on n'allait pas réussir parce que il y avait une grosse différence pour nous vraiment sur les prises de balles, ça allait plus vite, le ballon fusait, donc on avait du mal à s'adapter tout de suite, mais au bout de quelques mois, on a su travailler, surtout s'entraider, beaucoup se parler dans nos chambres. Et au final, voilà, on en est là. Ouais, bon, là, c'est la sélection sénégalaise, c'est avec l'équipe nationale du Sénégal. Je crois la deuxième photo, c'est mon premier but avec l'équipe nationale du Sénégal, je crois. Au Sénégal, et la première photo c'est avec un des pensionnaires de Djambar aussi, Papa Lundiaye, qui est passé dans le centre de formation Djambar, et c'est toujours un plaisir de le retrouver. C'est un très bon ami à moi, on est toujours en contact. Et vous avez Cherndoy aussi qui a joué à Angers, qui était capitaine, qui est un très bon ami à moi aussi. Et voilà, pour nous, c'est une fierté de jouer pour l'équipe nationale, de défendre les couleurs de notre pays et d'essayer d'amener le pays le plus loin possible, de gagner la CAN un jour, Inch'Allah. Bah, pendant cette période-là, tout le monde disait que je jouais bien, que je jouais beaucoup, mais que je marquais pas. Et je me rappelle ce match-là, le coach m'a mis plus haut, donc j'avais un peu plus de liberté à pas défendre. Et sur une contre-attaque, il y a Henri Cévé qui me donne la balle, donc je fixe, je décale à je sais plus comment il s'appelle, un attaquant qui joue en Italie là, ah, j'ai plus son prénom. Donc lui il me remet la balle, après je contrôle, je mets un enroulé sur le poteau, le ballon il revient sur moi, je finis dans les buts. Après j'étais très heureux, je suis parti voir parce que souvent au Sénégal, il y a des fan clubs pour chaque joueur. Donc là, je me suis dirigé vers mon fan club qui venait de la Médina et de Parcelles, Camberène, partout au Sénégal, mais qu'ils étaient dans un coin derrière les buts. Donc je suis allé les voir pour célébrer ce but-là avec eux. Très, très bien. On était très contents, moi et ma femme et moi, de revenir en France après quelques années passées en première ligue. Et voilà, c'était un bon moment pour nous et surtout une grosse fierté pour moi de jouer pour un club comme le Paris Saint-Germain et revenir en France, voir la capitale. Pouvoir parler français avec les gens, pouvoir faire nos courses en français. Il y a beaucoup de choses qui ont changé pour nous, mais c'est que du bonheur. Voilà, les enfants, ils sont très contents d'être là aussi. Il y a beaucoup de choses à faire à Paris, même si voilà, avec les matchs, on n'a pas le temps de tout faire, mais on essaie de profiter au maximum. Et surtout, après, le plus important, c'est bien sûr c'est le foot, mais à côté du foot, il y a la vie qui est la vie de famille. Donc, on essaie de tout faire pour mettre nos enfants dans de bonnes conditions et surtout nous, ça nous permet de nous rapprocher de nos proches qui sont de Lille, qui sont de la France, donc c'est plus facile de les voir et de passer du temps avec eux. Bah, c'était un rêve de jeunesse, surtout quand on vient du Sénégal. Tout le monde sait la relation qu'a la France avec le Sénégal. Donc je pense que tout un Sénégalais rêve de voir surtout la Tour Eiffel. Et voilà, c'est même je me rappelle les premières fois que je suis venu en France, je crois pas que j'ai pu voir la Tour Eiffel parce que souvent on arrivait à Charles de Gaulle, on prenait le bus, on allait en Espagne où on allait faire nos tournois, mais on n'a jamais eu le temps de visiter la ville. Et voilà, quand je suis revenu, moi, pour moi, j'en ai profité un peu pour découvrir, même si j'ai pas encore eu le temps de tout faire. Voilà, c'est mon premier match en Ligue des Champions avec mes nouvelles couleurs contre le Real de Madrid. Mais c'était un super moment pour moi et pour toute ma famille. Oui, une très belle victoire collective. On était attendus, tout le monde nous attendait contre cette équipe parce que l'année d'avant, on était sorti par Manchester, donc il fallait réagir tout de suite dès le début. Donc
Tout le monde parlait, tout le monde nous entendait. On a bien répondu avec la manière et on a su gagner ce match-là qui a lancé notre saison en Ligue des Champions. Tout le monde sait comment on a fini en finale. Malheureusement, on n'a pas pu gagner cette coupe-là, mais voilà, on a fait un beau parcours et tout a commencé avec ce match-là qui nous a donné beaucoup de confiance pour la suite et qui a lancé notre saison en Ligue des Champions. Souvent, nous, au Sénégal, quand on parle de Paris Saint-Germain, on parle de la concurrence entre Paris et Marseille. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de supporters sénégalais, parisiens et surtout et aussi marseillais. Donc, pour moi, défendre ces couleurs-là, je sais que j'invite à beaucoup de Sénégalais à aller plus supporter vers le Paris Saint-Germain. Et c'est une fierté pour moi de défendre ces couleurs-là parce que je sais qu'il n'y a pas, il y a pas beaucoup de Sénégalais qui sont passés par là. Et pouvoir jouer dans ce stade, c'est que j'ai pu jouer contre Paris Saint-Germain quand j'étais à Lille. Et c'était souvent compliqué quand on venait ici. Il y avait beaucoup de craintes et beaucoup de peur de combien de buts on allait prendre, de comment ça allait se passer le match. Et aujourd'hui, être dans cette équipe, c'est juste une fierté pour moi et une continuité pour ma carrière. Merci beaucoup Idrissa, on a fini. Merci beaucoup. Merci à vous.